Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je me réjouis tout particulièrement que cette année, le lycée français de Tallinn, qui porte haut les couleurs de mon pays et qui forme chaque année des dizaines de francophones, nous ait accompagnés avec sa chorale que vous venez d'écouter. Je remercie tout particulièrement son directeur, Peter Pédac, d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous célébrons à Tallinn avec un peu d'anticipation la fête nationale française du 14 juillet, qui sera marquée cette année à Paris par la participation des forces armées estoniennes au défilé sur les Champs-Élysées et la présence de la présidente de la République d'Estonie, invitée spéciale du président Emmanuel Macron, aux côtés des chefs d'État des pays partenaires de la France dans l'initiative européenne d'intervention. Car la coopération entre la France et l'Estonie est aujourd'hui plus étroite qu'elle ne l'a jamais été. La présence parmi nous d'une délégation du détachement Lynx, présente depuis le mois de mai à Tapa et à Tallinn, est là pour en témoigner. La France et l'Estonie ont travaillé ensemble étroitement au sein de l'Union européenne, à laquelle nos deux pays sont très attachés, car nos gouvernements savent que c'est ensemble que nous, les Européens, sommes plus forts. J'espère que nous continuerons de coopérer à son renforcement, en mettant notamment en œuvre l'agenda stratégique adopté lors du Conseil européen du 21 juin dernier, dont les priorités sont la protection des citoyens et des libertés, le renforcement de l'économie, la construction d'une Europe verte et juste, et la promotion des valeurs européennes. Nos deux pays vont se retrouver au Conseil de sécurité des Nations Unies à partir du 1er janvier prochain. Je félicite l'Estonie pour son succès à l'issue d'une longue et persévérante campagne. Ensemble, nous pourrons ainsi défendre le multilatéralisme et l'ordre international basé sur des règles. Tänään eriti Eesti välisministeriumi meeskonda. Eraldi suur tänu Anne Mardistele, sulle paressele Prantsuse laua ülemale. Minu jaoks on see muud, kui väidetakse, et eestlased on külmad ja emale hoidvad. Nende kolme aastat jooksul kohtusin kümnete nairatavate ja lahkete eestlastega. Selle tunde viin endaga kaasa koos vaimustavate maalestustega. Ime maitsvatest massikest ja mustikasetest, jalutus kaikudest, metsades ja ravades, suplustest järvedest, lumistest mastikest, mis pegeldavad Eesti lipu värve, ja meeli ülendavatest, suvistest, paikese loojangutest. Teadke, et kuigi Eestil pole Argentinas ametlikult saadkonda, siis minu näol saate mitte ametlikus saadiku, kes kindlasti kõigile Eestist räägib ja soovitab seda sulle pärast maad lähemalt tundma õppida. I would like to finish this with by thanking in front of all of you my team at the Embassy of France and the French Institute, because you are their friends and you are also our partners, and my team has been working wonderfully during these 3 years.